Alléluia. Bien aimé, les gens parlent beaucoup. Plusieurs personnes ignorantes attribuent l'onction, le pouvoir, la puissance, le surnaturel à qui? À la créature, à la création. Dieu Elohim est l'être suprême, surnaturel, le plus puissant. Et c'est lui qui a fait le ciel et la terre et l'univers. Et tout ce que nous pouvons voir dans le monde visible et le monde invisible, c'est Dieu. Grand D, Dieu. Et c'est Dieu qui a envoyé en existence ce que nous constatons, que nous ne voyons pas dans le ciel, tel que les étoiles, la galaxie, et surtout les êtres sublimes, tels que les anges. Les anges, qui sont des esprits qu'on ne voit pas. Et qui ne sont pas visibles, ni physiques, ni touchables. C'est Dieu qui les a créés. Et parmi ces êtres surnaturels, esprits, se trouve quelqu'un appelé Lucifer. Lucifer, n'oubliez pas, et n'oublions pas, chers enfants de Dieu, que Lucifer a été créé par Dieu. Il est un ange créé par Dieu. Il est un ange qui tire son existence par quelqu'un qu'on appelle Dieu. Lucifer a été façonné, il a été créé et appelé ange par Dieu, l'Éternel, le Tout-Puissant, n'oublions pas. Et gloire à Dieu que par l'Esprit de Dieu, Dieu nous a communiqué en nous, les humains, sa partie à lui, sa partie divine. Dieu est un être créateur. Et comme il nous a fait à son image et selon sa ressemblance, nous aussi les humains, nous pouvons créer. C'est la raison pour laquelle nous créons les caméras, les appareils photo, les appareils cellulaires, la télévision, les avions, la voiture. Ce n'est pas Dieu l'être humain, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas Dieu l'être suprême, le Tout-Puissant qui a fait ces choses. C'est l'homme. Pourquoi l'homme a pu créer? C'est parce qu'il vient du Dieu créateur. Donc, l'homme en lui a, comporte la partie divine. La Bible dit quand Dieu a créé l'homme, Dieu a soufflé. Donc, c'est ce souffle-là qui nous donne la capacité de réfléchir, d'être ça, d'être surdoué. C'est la partie divine en nous. L'homme qui amène là, l'homme à créer des choses. C'est la partie divine qu'il y a nous. Et gloire à Dieu que par cette partie divine, Dieu nous a fait grâce et que nous sommes allés à l'école. Donc, on ne peut pas se faire berner ni se faire duper par des personnes qui vont dire que la puissance appartient à la créature. Mais et le créateur? Les gens ont peur du diable. Ils ont peur de Satan. Mais ils n'ont pas peur du Dieu redoutable. Quand on lit le livre de Psaume 47, verset 2, David dit, il est un Dieu dévorant, redoutable, un feu. Vous n'avez pas peur de ce Dieu-là? Comme il est invisible, vous n'avez pas peur de lui? Et les gens ont peur du diable. Les gens ont peur de la sorcellerie. Ils ont peur des pratiquants de la sorcellerie appelés sorciers, sorcières. Ils ont peur des mystiques. Ils ont peur des malfaiteurs. Ils ont peur. À cause de quoi? Une puissance qu'ils manifestent? Un pouvoir quelconque qu'ils manifestent? C'est pourquoi vous avez peur d'eux? Ben non. Par cette capacité intelligible que Dieu enfouit dans votre être intérieur, dans votre esprit, l'esprit de l'homme, réfléchissez. Réfléchissez. Entre la création et le créateur, l'honneur est toujours au créateur. Réfléchissez.
entre la créature et le créateur. La gloire est toujours pour le créateur. Comment on peut attribuer la puissance? Regardez ce que Jésus va dire. Luc chapitre 10, verset, Luc 10, verset 19. Luc 10, 19. Vous voyez, il est écrit, selon ma version, écoutez, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et rien ne pourra vous faire du mal. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance. Sur toute la puissance. Donc, les chrétiens, c'est une limite là. Ah, donc Satan aussi est puissant. Et sur toute la puissance. Oui, Satan aussi est puissant parce qu'il est écrit sur toute la puissance. Et qu'il a dit, le Fils de Dieu, notre Sauveur et Maître, appelé Jésus-Christ, lui-même a dit de sa propre bouche que Satan détient, a aussi un pouvoir, une puissance. Et sur toute la puissance du diable. Donc, il n'est pas un être à négliger. Il est aussi puissant. Mais il y a un mais. Comme je viens de dire que vous êtes intelligent, il y a un mais. Cette puissance que le diable détient, d'où il a pris? La création ou la créature n'est rien sans le Créateur. N'oubliez pas que les humains qui ont créé les armes à feu, les armes nucléaires, les armes atomiques, ils ont aussi le remède. Ils ont aussi la solution. N'oubliez pas que celui qui a créé les voitures, les téléphones, les matériels, la télévision, qui nous rend service, n'oubliez pas qu'ils ont des pièces de rechange. Le Créateur a toujours le remède, la solution. Le Créateur a toujours l'autorité sur sa créature. Et le Créateur peut faire disparaître la créature. La créature n'est rien sans le Créateur. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est lui qui a créé Lucifer, qui après est devenu Satan, s'appelle Dieu. Dieu a le pouvoir d'exterminer Satan à une fraction de seconde. Et à toi, amen. Amen. Et à toi, amen. Amen. Vous devez le savoir que le diable n'est rien devant le Créateur, Dieu. Satan n'est rien. C'est lui à qui les gens attribuent le pouvoir, à qui attribuent la puissance. Il n'est rien. Il n'est rien. Il ne vaut rien. Il ne ressemble à rien. Qui? Le diable. Si les gens ont peur de lui, David au lit dit, il est sous la plante de ses pieds. Alors moi, je n'ai pas peur du diable. Regarde-toi, amen, regarde-toi, amen. Je dis, je n'ai pas peur de Satan. Je n'ai pas peur du diable. Je n'ai pas peur de lui aujourd'hui. Je n'aurai pas peur encore de Satan demain. Pourquoi? Parce que par la puissance surnaturelle divine qui habite en son fils Jésus-Christ m'a dit que Satan est sous la plante des mes pieds. Je vous, qui vous, les croyants, qui vous, les petits Christ, qui vous, le peuple de Dieu qui portait le nom de Jésus-Christ, chrétien, petit Christ, chrétienne, Jésus dit, je vous ai donné, et non pas je vous donnerai, ce n'est pas une promesse. Je vous ai donné, je vous ai déjà donné le pouvoir de marcher. Celui qui marche une chose, autrement dit, est en haut de la chose. Donc, il peut dominer la chose. Nous marchons. Ils disent les serpents. Pourquoi les serpents? Parce que c'est l'animal serpent que Satan s'est incarné. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Autrement dit, tous les êtres animaux que le diable va manipuler. Jésus dit, ces démons et ces animaux-là, Jésus-Christ nous a donné le pouvoir de les piétiner, dominer. Lorsque Dieu a créé les cieux et la terre, la Bible dit, Genèse
Genèse 1, verset 26. Quand Dieu a créé l'homme, Dieu va dire à l'homme, domine. Donc ça veut dire quoi? Dieu a créé l'homme pour que l'homme domine. Dieu a créé l'homme pour qu'il domine. Les cieux appartiennent à Dieu. Quand nous lisons Psaume 116, verset 15, la Bible dit, David dit, les cieux sont pour la gloire de Dieu. Les cieux appartiennent à Dieu. Donc les cieux n'appartiennent pas aux humains. Et il dit, la terre appartient aux humains. Mais les cieux sont pour Dieu. Autrement dit quoi? Lorsque nous irons dans la présence de Dieu au ciel, nous ne serons jamais glorifiés. La seule personne qui sera glorifiée matin, midi, soir, s'appellera Dieu. Maintenant Dieu, dans son amour pour nous, créant l'homme, va dire à Oli David, comme le ciel m'appartient, et que la gloire sera toujours à moi, je te laisse un espace, un lieu, un environnement, un monde où toi, tu y régneras. Et l'univers et les animaux vont t'acclamer et vont te psalmodier et vont aussi te reconnaître que Jésus. Oh, 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 j'attends pas ton amen, j'attends pas ton amen. Je vais créer un lieu où toi aussi, on pourra aussi te vénérer. On pourra aussi, on peut te glorifier. La terre. C'est pourquoi Psaume 115, verset 16 dit, il dit, Dieu dit, j'ai donné la terre aux humains. Donc, Genèse 1, 26, Dieu créa l'homme à son image, je veux dire, ça parle de la nature. La nature de Dieu, c'est l'esprit. Donc, Dieu créa l'homme à son image, sa nature. Sa ressemblance, c'est les caractéristiques de Dieu. Dieu est créateur, l'homme aussi l'est. Dieu est puissant, l'homme aussi doit l'être. C'est pourquoi quand Dieu crée l'homme, il va dire à l'homme une seule phrase qui va sortir de sa bouche, qui est une ordonnance. Il dit domine. Maintenant, Dieu sait que l'être et Dieu sait que c'est lui qui domine. Mais domine quoi? C'est pourquoi il crée les animaux. Il va dire simplement domine les animaux. Domine. Genèse 1, 26. Domine les animaux du ciel, les animaux de la terre. Et il va dire à la fin, les reptiles. Oh, parmi les reptiles, la famille des animaux, parmi les reptiles, il y a ce qu'on appelle le serpent. Donc Dieu savait plus tard que le diable, Satan, allait s'incarner et s'identifier au serpent. C'est pourquoi il a dit à la fin, sur tous les reptiles de la terre, dominez. Dominer. Donc normalement ça veut dire quoi? Où les anges déchus appelés les démons les lieux où les anges déchus appelés les démons devraient habiter, c'était où? Les animaux. Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme soit dominé par les êtres démons. Non. Quand Jésus-Christ a chassé les démons, il n'y avait pas les personnes, il n'y avait pas les âmes, il n'y avait pas les hommes, il n'y avait pas les femmes. Mais pourquoi les animaux, dans la présence de Jésus, vont dire, Jésus, mets-nous où? Mets-nous où? Dans le port. Dieu a créé les animaux pour que les démons soient là-bas. Mais pourquoi l'être humain va faire appel aux démons? Et c'est parce que Dieu le savait que Satan allait s'incarner d'un animal de la famille des reptiles. Le serpent. Le serpent. Le serpent. Le serpent. Genèse 1, 26, il parle des reptiles. Serpent. Scorpion. Reptile. Jésus aussi le répète. Luc 10, 19. Je donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Encore reptile. Tout animal dans lequel l'ennemi, le diable, va s'incarner, Jésus dit, tout animal, ces animaux-là sont sous la plante de tes pieds. Oh, riato amen, riato amen. Que le diable s'incarne dans les porcs, Jésus dit, ces porcs-là et les démons seront toujours sous la plante de tes pieds. Alléluia. Alléluia. Donc, bien-aimé, nous voyons, quand nous lisons Genèse chapitre 3, verset 1. La Bible dit quoi là-bas?
Quand Dieu a fini de créer l'homme et l'homme et l'homme et l'homme et l'homme et l'homme et Adam et Ève, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Adam, le lion n'est pas rusé. Adam, le chat n'est pas rusé. Adam, le chien n'est pas rusé. Adam, les animaux domestiques qui sont avec nous ne sont pas rusés. Mais pourquoi le serpent qui n'est pas un animal domestique vivant avec les hommes est l'animal le plus rusé? Bien aimé, quand nous lisons l'histoire du serpent, nous remarquons que le serpent a dans sa gueule une langue à double. Une langue à double. Vous voyez. Et c'est comme ça. La plupart des humains que Satan utilise sont des personnes qui sont rusées. La ruse est différente de l'intelligence et de la sagesse. Celui qui est rusé est un hypocrite. C'est pourquoi les sorciers sont hypocrites. Le jour, ils t'aiment, la nuit, ils t'attaquent. Double. Dans la bouche, dans la gueule du serpent, il y a double. La langue est doublée. Il est comme ça, il est comme ça. Insaisissable. On ne maîtrise pas. Le jour, il est gentil, doux. Et regardez bien. Les sorciers aiment toujours les informations pour attaquer. Le serpent aussi. Satan. Il allait vers Ève. Dieu a également dit. Donc, il n'est pas informé. Les sorciers cherchent toujours l'information. C'est pourquoi on vous appelle du village et partout. Comment tu vas? Ah, ma fille, j'ai appris que tu passes l'examen. Tu es bon? Tu passes le bac? Ah bon? Tu passes le BPC? Ils cherchent l'information. Pourquoi? Pour attaquer, s'opposer et bloquer. Plusieurs personnes dans l'ignorance vont présenter leurs parents sorciers à leurs amis. Que Dieu t'a amené. Oh, et puis on voit voiture que ton ami a. Ou a ton prétendant. Et tu dis, maman, il a l'argent. Maman, il a des voitures. Maman, il est riche. Ta maman dit, ah bon? À ma fille. Et puis semblant, oh, Dieu merci, oh. Dieu nous a bénis, oh. Ah, c'est le jour. Ma fille, je te mets au dos. Ça, c'est le jour. La nuit, la maman attaque maintenant. Et le prétendant qui voulait te marier dit, mais je t'ai jamais connu. Toi, moi, je connais. Où? Depuis quand? Mais aïe, chérie, quelle chérie? On se connaît où? La sorcellerie maintenant est entrée. Les personnes que l'ennemi utilise, le diable, sont des personnes qui ont le comportement du serpent. Le serpent est rusé. Il est malin. Le serpent est hypocrite. Le serpent aime toujours les informations. Le serpent est murmureur. Papato, serpent. Critiqueur, serpent. Murmureur, serpent. Hypocrite, serpent. Très bavard, le serpent. Et très paresseux, le serpent. Le serpent. Dis après moi, je ne serai jamais une proie, une victime de Satan. Oh, encore, je ne serai jamais une victime de Satan. Mon corps ne sera jamais l'habitation du diable. Est-ce que tu es sûr? C'est ça, bien aimé. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a tellement dit, mais aïe. Le serpent est le semeur de doute. Est-ce que tu as su que tu vas te marier? Tu as su que tu as ton visa? Tu as su que ton visa, tu as réussi? Tu as su? Tu as su? Tu as su? Que tu vas faire enfant? Tu as su? Que tu vas fanter? Tu as su? Que tu vas réaliser? Tu as su? Que toi, tu vas réussir? Tu as su? C'est le signe de la présence du diable.
La Bible dit, le diable, Jean dit, le diable est celui qui a péché dès le commencement. Ça veut dire quoi? Le diable est le père du mensonge, un menteur. Tous ceux qui mentent, ce sont des personnes qui sont déjà habitées par c'est le serpent, le diable. Alléluia. Alléluia. Jésus dira, tout animal, selon les espèces, lesquelles le diable va s'incarner. Ça veut dire, l'esprit satanique plus le corps des animaux qu'il va emprunter. Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir de les écraser. Oh, il faut amener les faibles, de les écraser. Je te vois marcher sur eux. Je te vois les dominer. Je te vois marcher sur eux. Bien-aimés, ne craignez pas la sorcellerie. N'ayez pas peur de la sorcellerie. Le diable n'est rien. Le pouvoir qui tient vient de qui? De Dieu. Il y a plus tard. Il va dire, le diable, oui, quand on lit la suite de ce verset, il va dire plus tard, qui? Satan. Que c'est faux. Dieu sait que Ève et Adam, si vous mangez ce fruit interdit par Dieu, vous serez comme lui, Dieu. Et il va expliquer comment. Il va dire, vous serez comme Dieu. Pourquoi? Parce que vous saurez la différence entre le bien et le mal. Donc ça veut dire quoi? Un Dieu est celui qui peut différencier le bien et le mal. C'est un Dieu. C'est pourquoi Dieu aussi va nous dire, comme vous êtes des dieux, maintenant, je mets devant vous la vie et la mort, la malédiction et la bénédiction. Choisissez. C'est un Dieu qui choisit. Un Dieu choisit sa vie. C'est la raison pour laquelle Dieu ne pourra rien faire de toi. Quel est toi-même ton rêve? Quel est toi-même ton choix? Dieu ne peut pas faire les choses que toi tu peux faire. Dieu ne peut pas rêver à ta place. Dieu ne peut pas imaginer à ta place. Dieu ne peut pas parler à ta place. Il t'a donné une bouche pour que tu parles. Il t'a donné une conscience et l'intelligence, la sagesse, l'intelligence pour que toi, tu puisses réfléchir et parler. Ça y est en toi. Il dit, je te permets, en tant qu'un libre arbitre, de faire ton choix. Choisis. Mais comme moi, c'est comme moi, c'est moi ton créateur, c'est moi ton Dieu, et que je connais ton bien. Je connais ton bien. Je t'ai dit, choisis le bien, la vie. Laisse le mal. Autrement dit quoi? En un humain qui est un Dieu, en un humain qui est aussi un Dieu. C'est pourquoi Jésus dit, j'avais dit que vous êtes des dieux. Jean 10, 34. J'avais dit que vous êtes des dieux. Donc, tous les humains faits à l'image de Dieu. Un mouton met un mouton au monde. Un lion met un lion au monde. Un humain met un humain au monde. Mais un Dieu, il met qui au monde? Un Dieu. Donc nous sommes comme ayant été fait à l'image de Dieu. Donc nous sommes des petits dieux. Lui, grand D, Dieu. Et nous, des petits D, Dieu. Dieu dira, je vous laisse maintenant le libre habitage de votre vie. Faites de votre vie ce que vous voulez. Sachant le mal et le bien. Waouh. Waouh. Ça veut dire, en l'homme qui est un petit Dieu, il y a le mal et il y a le bien. Mais c'est l'homme qui, dans la présence du mal, doit choisir le bien. Oh. L'homme, dans la présence du mal, le mal existe en l'homme, mais c'est l'homme qui doit dominer le mal et faire le choix du bien. C'est pourquoi Dieu va dire à Caïn, Caïn, le péché est au niveau de ta porte, ton cœur, mais domine. Domine. Qui domine le péché? C'est un Dieu. Qui fait le choix? C'est un Dieu. Qui a la capacité de réfléchir? C'est un Dieu. Dieu ne pourra pas rêver à ta place. Dieu ne pourra pas t'ouvrir la bouche et te dire, mon fils, ouvre ta bouche simplement, viens envoyer le riz et mange. Non. Il y a les choses que Dieu peut faire, il y a les choses que Dieu ne peut pas faire. C'est pourquoi je résume que Dieu ne peut pas faire toutes choses.
Choisis la vie que tu aimerais vivre. Choisis le chemin qui peut t'accéder à la vérité et à la vie. Choisis la vie. La vie. Si toi, tu as fait le choix de la pauvreté, c'est ton choix. C'est ta vie. Et Dieu respecte. L'apôtre Paul a fait son choix d'être célibataire, sans femme. Il a vécu ainsi. Il est mort dans ça. Il a aimé ça. C'est son choix. C'est son choix. Ton choix sera respecté par Dieu. Ton rêve, s'il rentre dans la volonté parfaite de Dieu, sera respecté par Dieu. Ton amen est faible. Amen. Dieu respecte ton choix. Si tu choisis la sorcellerie, c'est ton choix. Si tu choisis la malédiction, c'est ton choix. Ce n'est pas Dieu qui te l'a imposé. Dieu dit, voilà le mal, la sorcellerie. Voilà le bien, la bénédiction. Choisis. Il te laisse le libre arbitrage de faire ton choix. Les mystiques, les marabouts ont fait le choix d'être mystique, d'être marabout. Mais moi, sachant la vérité et la lumière habitant en moi, j'ai fait le choix d'accepter le roi des rois, le meilleur chemin, le chemin, la vérité et la vie, la solution à toutes choses, Jésus-Christ de Nazareth, Jésus-Christ de Nazareth, Jésus-Christ de Nazareth, la lumière et la vie. Ça, c'est mon choix. Autrement dit quoi? Pourquoi les sorciers vivent? Et parce que c'est le choix que Dieu les laisse. Pourquoi les hommes méchants vivent? Et parce que Dieu respecte leur choix. Ils ont choisi d'être méchants, de tuer, de boire le sang, de faire du mal. Dieu les laisse dans leur choix. C'est pourquoi toi qui es assis là parmi nous, si tu es sorcier, c'est le choix que tu as fait. Mais n'oublie pas, dans tous ces choix, Dieu dira, comme c'est moi qui t'ai créé, choisis la vie.